La première fois que j'ai entendu parler de messages d'outre-espace, c'était en juillet 2019. C'était après un Japan Expo, sur le trajet du retour. Alex m'a parlé qu'il voulait faire un préquel à France 5. À un moment, il a été question de recréer quelque chose de nouveau. On s'est dit que ce serait bien d'avoir quelque chose de supplémentaire dans le box Blu-ray. Alex m'avait expliqué qu'il voulait faire quelque chose qui ne soit pas juste un épisode de France 5, qui soit quelque chose d'un peu différent en termes de ton. On est parti sur une idée très simple, faire un petit court-métrage de 5 minutes sur la jeunesse du professeur Burgonde. Notre modèle à l'époque, c'était George Lucas in Love. Et donc, on imaginait une petite histoire d'amour entre un jeune professeur Burgonde et une jeune femme qui ressemblerait beaucoup à Margarine, et qui s'appellerait donc Marguerite. Très rapidement, on a commencé à se dire que ce n'est pas suffisant, ni pour nous, ni peut-être pas pour les spectateurs. Ensuite est venue l'idée de la perte, c'est-à-dire que cette jeune femme, Marguerite, devait à un moment donné disparaître pour qu'il y ait une dimension vraiment dramatique et que le professeur ait ce trauma en lui et que cette version robotique de Marguerite, donc le robot Margarine, soit quelque chose qui soit en fait une séquelle tragique de l'histoire précédente. Greg et Jean et David ont commencé à faire une première version du scénario. Voilà, et on n'est pas d'accord sur la fin, c'est un gros problème. Surtout, nous n'avons pas trouvé la fin qui nous plaît. Elle doit mourir, on n'est pas, on sait pas trop comment elle doit mourir. Alex veut absolument un twist style à Fred Hitchcock. On essaie en fait d'avoir quelque chose qui fasse un petit peu penser à la quatrième dimension. Une ambiance empreinte de mystère et avec un petit peu de SF forcément. Avec José, on a relu le scénario ensemble et en discutant avec lui, on s'est dit et si le personnage principal, ce serait pas finalement Marguerite? Et là, ça devenait beaucoup plus intéressant puisque on suit un personnage et on réalise en fait que le sidekick, le personnage d'à côté, c'est lui, le professeur Burgonde, celui qu'on connaît bien dans France 5. Marguerite, Margarine, le robot, quelles sont les prémices, qu'est-ce qu'on montre? Il va construire Margarine. Toi, tu proposais que dans le générique de fin, on le voit faire. Non, pas on voit faire, mais on voit au moins ces diagrammes. Ça, c'est quelque chose de pas mal. Un blueprint, ça. Oui. Un blueprint et le masque. On a continué à travailler pendant des mois avec Greg, Jean et David jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne vraiment. Et pauvre fou, si tu refermes la barrière, mon hôte mourra et tout. Et là, il clique, donc ça coupe, donc tous les tentacules sont coupés. Et Marguerite, voilà, tombe. On ellipse et juste après, il y a Mitterrand au téléphone. Voilà. D'accord. Alors, à quoi ça va ressembler, ce film? Ça va pas ressembler à du Sentai. Faire les origines de Burgonde dans Sentai, ça n'aurait eu aucun sens. Faire, oh, qu'est-ce qui se passe? Trois panneaux qui font, ah, de la fumée, et l'autre qui est là, Yamete, avec du sang, là, et ah, 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 et hop, loup, hop, ça redevient flou. Et c'est comme ça que j'ai créé France 5. En Sentai, ça aurait duré même pas 3 minutes. Et finalement, on s'est aperçu qu'on cherchait quand même à avoir un scénario plus réaliste, avec éventuellement des éléments un petit peu difficiles, un petit peu dramatiques, qui sont assez, qui ne sont pas présents en fait, sauf à la fin de France 5. Donc on est parti du principe que si on faisait les origines de Burgonde, ça serait sympa de faire ça pendant les années, la transition entre Giscard d'Estaing et Mitterrand. Donc l'action se situe en 1981. Les années 80, il y a un énorme revival hein, depuis quelques années. Stranger Things, Kung Fury, tout ce genre de choses. C'est souvent une imagerie années 80 très américaine en fait. Hein. Tout ce visuel à base de néon violet. Non, nous on veut vraiment un truc, comme tu as dit, très franchouillard, c'est les années Colaro, c'est les années Bouvard, c'est les années ces transitions Giscard-Mitterrand, donc c'est une ambiance qui est très particulière, quoi. C'est Récréa 2, c'est Bernard Tapie, c'est les avions nifleurs, c'est tout ça, quoi. On est très très français. Ça marche à la vendeur. On a fait un vrai travail de documentation pour être précis sur ce qu'on montrait des années 80, sur la manière dont les gens parlaient. J'ai le type, ce Pinot, hein. Tu vas où là? T'as même pas un radis sur toi? Il y avait un lexique et une manière de s'exprimer qui était différente et qu'on essaye de retranscrire un peu là-dedans. On a regardé vraiment beaucoup de vidéos de Lina pour voir comment on parlait à l'époque. C'est pas du tout simple de retrouver des expressions typiques de ce moment-là et non pas des expressions qui sont apparues plus tard ou plus tôt. Et c'est pas forcément des mots de vocabulaire hyper spectaculaires, mais c'est des petites choses. Par exemple, aujourd'hui on dit une voiture, à l'époque on avait plutôt tendance à dire une auto. À la télévision, on passe pas un film, on donne un film. Et c'est des petits mots comme ça qui font que bout à bout, on sent que le vocabulaire vient d'un autre temps. On voulait vraiment des marqueurs d'époque qui nous faisaient marrer. Enfin, on a mis plein de références partout. C'est comme au restaurant quand c'est dessiné dessus, ça. Enfin voilà, c'est un régal de quarantenaire, quoi. C'est comme au restaurant quand c'est dessiné dessus. Seb, c'est bien. On a fait beaucoup d'efforts et on espère avoir réussi.
pour le scénario, on a eu aussi beaucoup de chance puisque j'ai pu le soumettre à des personnes dont c'est le métier, soit d'écrire, soit de corriger les scénarios des autres. Par exemple, Balak a accepté de relire et il nous a donné deux pistes très intéressantes. La première, c'est lui qui a eu l'intuition de dire qu'il faudrait ce moment où dans la transgression, Marguerite et Harry vont fraterniser. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont s'opposer aux flics et qu'ils vont le mettre littéralement au sol, il va se passer quelque chose qui va être de l'ordre de « ouais, on a fait une bêtise ensemble ». Et à partir de là, les deux personnages vont commencer à développer une espèce de camaraderie. Et la deuxième chose que Balak a apporté, et ça c'est très important, c'est sur les proverbes. Dans la première version du scénario, c'est le professeur Burgonde, c'est Harry qui avait le proverbe un peu déformé, c'est lui qui n'arrivait pas à dire un dicton correctement, comme il le fait dans France 5. Et c'est Balak qui a dit « ce serait intéressant si c'était un défaut de Marguerite, et ce défaut à la fin, c'est Harry qui le prend pour lui, qui le fait sien. » Aussi vrai que deux et deux font le printemps. Alors, est-ce que Harry a été un petit peu chamboulé, traumatisé par tous ces événements? Est-ce que, au contraire, c'est une manière de se souvenir de Marguerite? Ça, c'est le spectateur qui va décider. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui est intéressant. J'ai aussi demandé à Davy s'il ne voulait pas me donner son avis sur le scénario. Et Davy, lui, il est arrivé avec l'idée de l'invention. Le Talkman, ça vient d'une réunion avec Davy où il me disait ce serait quand même pas mal, comme c'est un inventeur, qu'on le voit inventer des trucs, quoi. Et ensuite, j'ai pu demander à Savin Yatman-Eiffel, le co-réalisateur et producteur de Oban Star Racer, qui est aussi un descendant de Gustave Eiffel, s'il avait un peu de temps pour relire le scénario. Et il a pointé un quelque chose de très important. Il m'a dit, les méchants, il faut les montrer. Alors, on n'est pas allé jusque-là, on n'a pas recréé la salle du trône, mais on les entend quand même parler, ils ont une présence dans le film, et ça, on le doit à Savin. Nenoga kempo shor shishu itonal. Shenmat, tlamiga aipasivan. Ensuite, il a fallu trouver les personnes qui allaient endosser les rôles. Pour le rôle de Marguerite, moi j'avais vraiment envie de travailler avec Audrey. J'avais déjà travaillé avec elle sur la série « Vous savez pourquoi on est là » de Médoc et Moguri. Mais tu vas le faire, du coup. Et elle a dit oui tout de suite, donc grand soulagement. J'ai tout de suite aimé, enfin j'ai lu, alors que je connaissais pas France 5 moi. Et je l'ai lu comme un projet à part entière, déconnecté de ce qui avait pu se passer avant au niveau du scénario, quoi, tout simplement. Et je trouvais que ça se tenait très bien. Donc ça m'a branché direct. Et non, je trouvais justement qu'il y avait vraiment un travail sur les personnages qui était intéressant, en tout cas Marguerite, qui était le personnage principal, et que ce parcours-là, il était super à travailler, en dehors même de connaître ou non ce qui s'était passé avant, quoi. Et elle a créé une Marguerite vraiment tout en délicatesse, mais aussi en détermination. Quelque chose qui permet d'avoir un personnage tangible auquel on s'attache, et à la fin, quand Marguerite meurt, parce que c'est toute l'histoire nous mène à ça, à la disparition de Marguerite et au traumatisme du professeur, à la fin on a vraiment de la peine pour elle, même nous au tournage. Bon, on l'aime vraiment beaucoup en fait, elle est esquissée rapidement en fait, parce que c'est un moyen métrage, mais on devine toute l'affection qu'elle a pour sa fille, on devine son passé, on voit que c'est une femme brillante, qu'elle est intelligente, elle est gentille, elle fait de la savate, quoi. Enfin, elle est trop bien. Je m'appelle Marguerite, et vous? Je m'appelle Harry. Pour Harry, moi, au départ, j'avais pensé à Paul Bourrière. Au revoir. Ouais. Parce qu'il avait un peu déjà joué ce genre de profil. Bon, là, on va faire rentrer le micro dans le champ. Un peu savant, un peu distrait. Allez, viens, Mousse, allez. Allez, gentil micro, gentil micro. Et en fait, j'ai montré à Jean et David une photo de Paul, en dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez pour Harry? Et ils ont dit, non, lui c'est Capel. Ah bon, c'est quoi la photo que tu leur as montrée? Alors moi, j'aurais jamais pensé à Paul pour Capel, mais eux, ils étaient catégoriques et c'était hyper intéressant. Marguerite, je vous aime bien, vous savez, et ça me fait bien de la peine, mais vous allez devoir arrêter votre projet. Mais monsieur Capel. Monsieur le directeur. Et au final, j'ai joué Capel, et en vrai, c'était rigolo, je me suis bien amusé, surtout qu'en plus, j'ai pu faire qu'en relax, et ça c'était cool. Toute la confrérie, si vous voulez, c'est parfait. Du coup, il a fait un Capel exactement comme on l'espérait, presque encore plus terrifiant que ce qu'on voulait. On voulait que ce soit un connard, mais pas forcément un mec effrayant. Mais il lui donne quand même parfois des petites intonations un petit peu flippantes. Eh bien, nous verrons, cher monsieur, nous verrons. Et enfin, pour le rôle de Harry, ça s'est fait un peu de manière un peu naturelle. On était en réunion et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit « Mais pourquoi aller chercher loin, puisque juste à côté, il y a Emmerich ?» Et les gens souvent me comparent avec Tibor, surtout à cause de la barbe, alors que je l'ai rasé d'ailleurs au final. Presque au début, c'était une blague, et c'est devenu sérieux finalement. Dis, ça te prend souvent de faire la danse des canards avec les poulets? Seulement les soirs de fête. Je te voyais pas comme ça. Plus je lisais le scénario, plus je voyais aussi les idées d'Alex. Ça foutait un peu la pression. Hello. Hello.
On va fringuer le jeune homme ici. Ouais. On va faire plus qui est pour l'instant à la mode actuelle. On va essayer des chemises hawaïennes. Pour tout ce qui était France 5, c'était vraiment de la création ex nihilo de choses qu'on refera jamais dans sa vie. Tandis que là, c'était plutôt du stylisme et travailler avec des choses qui existent déjà, essayer de recréer une époque qui est très précise, qui a ses codes. Là, je rejette un œil un peu pour les chemises pour Marguerite. Look. Pour le personnage Marguerite, c'était vraiment hyper chouette. On est allé chez Guérissol, on a trouvé des petites blouses magnifiques et en plus vraiment vintage des années 80. On lui a trouvé un perfecto qui est en cuir qui était magnifique. On a eu un énorme coup de cœur, je crois que c'est la pièce la plus chère. Je ne sais même plus combien ça avait coûté, peut-être 30 ou 40 euros je crois. C'était... Pour Aymeric, on a trouvé une magnifique chemise violette. Il cherchait pour moi les chemises qui étaient les plus affreuses et ils les ont fait porter. Oh non. C'est un L. Oh, malheureusement, c'est ma taille. Avec Didou, on a eu un coup de cœur énorme. En plus, la taille était parfaite, donc on l'a prise... Elle est bien. Hein. Tellement bien, quoi. Ouais. Et Aymeric était tellement content. Ça te va super bien. Ah, c'est nickel. Ah, ça y est, le personnage commence à vivre. T'es prêt pour aller faire tes courses aux nuggets? Nuggets, c'est quoi ça? Un ancêtre de Virgin Megastore. Et puis ça a été aussi l'occasion de rentrer un peu dans des circuits plus traditionnels du costume, à savoir la location de costumes pour tout ce qui était les militaires, l'officier de police, voilà. Bon, allez, reste. Ça va? C'est bien, là au moins. Tu as un pins. Comme ton habitude, il y a De Gaulle qui parle. On est mal. Croix de guerre, excitation 14-18, croix de guerre 39-40. Voilà. Comme ça ? C'est difficile, hein ? Je suis sûr que t'as un sifflet, t'arrives à arrêter une bagnole, même si t'as un costume des années 80. Alors le pantalon, allez ! J'ai mis dimanche avec lundi. Ah, c'est bien, hein ? Il y a un petit côté de funesse, hein. Terroriste. Le premier tournage, ça a été un tournage qu'on a fait à Bobby Pills. On a tourné l'appartement de Harry. Donc, pour l'occasion, Lisa, qui était notre décoratrice accessoiriste, a créé de toutes pièces un appartement. Et donc, on avait un petit espace avec deux, trois contraintes un peu tricky, c'est-à-dire qu'on avait des murs qu'on ne pouvait pas tapisser comme ça sans abîmer. On avait une grande baie vitrée qu'il fallait camoufler parce que ça faisait trop open space, ça faisait pas assez appartement. Au sol, pareil, on a acheté de la moquette d'événementiel entre 3 et 5 euros le mètre, si je me rappelle. Et ensuite, il a fallu accessoiriser avec les plantes qui étaient déjà sur place, avec du macramé parce que c'était à la mode à l'époque. Bonjour, je suis un décor des années 70. Vous voyez, il y a écrit 1981, c'est une peinture qui date vraiment de l'époque. Et en fait, c'est la peinture de ma maman. C'est ma maman qui faisait un peu de peinture quand elle était plus jeune. Et du coup, ça, c'était vraiment sur les murs à la maison, quoi, chez moi, quand j'étais jeune. Je collectionne les vieux objets en général. J'aime bien ce qui est vieux et ancien. J'aime surtout bien les démonter et en faire d'autres choses. J'aime bien chiner. C'est un peu comme les gens, ils sont accros à Instagram. Et je suis accro à trouver des trucs sur Internet pour 2-3 euros, pour grossir encore le stock d'objets à la maison. J'ai regardé beaucoup de photos d'appartements de l'époque. J'ai essayé de faire une espèce de synthèse des motifs, des couleurs qui revenaient le plus souvent et de faire une sélection de entre guillemets, le best-of des choses qu'on pouvait trouver chez les gens à l'époque. Je voulais pas tomber trop dans le cliché non plus, ni aller dans l'excès, mais il fallait quand même que ça reste reconnaissable. Je trouvais que le décor était tellement bien, enfin, ça m'a beaucoup aidé sur le premier jour du tournage parce qu'on avait le décor qui était là, le costume, et le costume aide beaucoup, oui, à se mettre dans un personnage, on va dire, en tout cas qui n'est pas soi-même, c'est pas ses vêtements à soi qu'on a dans la vie. Et déjà, ça fait une transition en fait, et ça aide en effet à se mettre dedans. On a travaillé sur la jeune fille un peu chic des années 80, donc on va être dans du drôle de dame, des choses avec du mouvement. Qu'on appelle la mini vague, qui était très à la mode en début 80. Donc le travail du bigoudi est pour donner un mouvement aux cheveux et du volume. Des coiffures pour les garçons qui seront un peu plus strictes dans le côté du jeune garçon qui utilise le coiffeur que maman a encore choisi pour lui. Il y a une problématique capillaire. Ouais, ils tiennent pas en place. Ils sont trop lourds et du coup, ils tiennent pas. Il parle des cheveux. Oui, je suis le méchant.
Que là, on a tourné du coup notre premier jour de tournage, l'appartement d'Urgonde. C'était assez compliqué, mine de rien, parce qu'il y avait énormément de textes. Et surtout, c'est une scène très importante pour Burgon, parce que je trouve que c'est celle qui pose vraiment le personnage. C'est celle où on comprend le mieux qui il est et où on le définit. Très très longue journée, on avait beaucoup de scènes à tourner. C'était intense, il a fallu tourner longtemps et rapidement. Et Alex préparait des fiches à l'avance, les comédiens avaient leur texte à l'avance. Les gens étaient studieux, ils parlaient assez peu, on essayait de faire en sorte que ça puisse bien s'enchaîner, qu'il n'y ait pas trop de ruptures. Je suis quand même plutôt timide, même si je fais ce métier, ce qui est, voilà. Et en fait, je trouvais que l'ambiance générale était vraiment très bienveillante et accueillante. Et ça s'est très vite bien passé, en fait, au final. Et donc ça met à l'aise pour aborder juste le travail de scène, quoi. En plus, une journée où il y avait les deux enfants, ce qui était super, c'est qu'ils se sont vachement bien entendus. Donc ils partaient jouer dans leur coin, puis on les appelait à un moment. C'est aussi là où la nouvelle équipe s'est formée. Je travaillais avec Cine, qui était à la lumière, donc qui nous a fait vraiment une lumière aux petits oignons. Alex, si tu peux venir faire le cadre, comme ça on peut faire la déco et la lumière. Et il y avait aussi Jojo, qui sur ce projet était notre assistant réalisateur. Mais il s'occupait aussi de faire une deuxième caméra. Alex se chargeait principalement des plans qui étaient prévus au storyboard. Donc, et moi, c'était des plans qui n'étaient pas au storyboard. Donc, dès qu'Alex était en place, je prenais ma caméra et je lui proposais un plan alternatif. Ouais, ça, c'est complexe. Pour éventuellement lui servir au montage. Et ça a été le cas, puisqu'il y a certains plans qui lui ont été utiles. Ok, on est prêt. Et action! N'est-ce pas? Ils ont un peu quelques mouvements, à un moment donné, elle se rapproche un peu de la table, elle revient vers lui, tu vois. Et donc, je me disais que c'était pas mal, qu'on avait un peu le settings, de continuer avec ça maintenant. Plutôt que de se lancer dans le délire avec l'ordinateur. Je suis méchant. C'est la première fois aussi que je tournais une vraie scène de repas. Donc plein de questions se posent, comment on fait pour la nourriture, est-ce qu'on fait attention à bien resservir les assiettes au début de chaque prise pour qu'il y ait toujours la même chose dans les assiettes. Et en fait, au cinéma, si on regarde bien, les gens, ils font que bouger les trucs dans leur assiette avec les couverts. J'avais été mise en charge d'organiser le petit repas. Donc je fais une belle petite salade que va préparer Harry pour ses invités inopinés de la soirée. Donc qui va être accompagnée d'une petite viande grillée avec un magnifique grill d'époque Seb. Seb, c'est bien. Il est d'époque, en l'occurrence, peut-être un peu trop d'époque. Probablement un petit court-circuit interne. Quand on le branche, fait sauter les plombs. Alex voulait une belle salade, bien rouge et bien verte, bien fraîche. Le papa et la maman des enfants qui étaient là, mais arrête de manger, arrête, il n'y en aura plus. Parce qu'on a fait une seule petite salade et pas 25 salades pour toutes les prises. Un truc que je pourrais te dire en plus, c'est peut-être un truc que j'ai pas dit. Je t'ai dit que j'étais le méchant. Une fois qu'on avait fini ce tournage, le confinement est arrivé. Donc les tournages suivants ont été tout simplement annulés. Le problème du confinement sur le tournage, c'est que ça a complètement explosé le planning. On savait pas quand c'est qu'on allait pouvoir reprendre. Donc on a dû attendre jusqu'à l'été pour tourner à nouveau. Il y a eu le tournage avec les deux militaires. C'est une de mes scènes préférées en plus dans le film. Je trouve que la performance, les trois, c'est... Il se passait un truc qui marchait, quoi. C'était le texte, c'était... Enfin, c'était génial. Oui, allô ? Sumimasen, machigaetemasu, shireshimasu. Ah, ça c'est super, ça. C'est le... Mate, mukashi-ppoi yatsu, ne. Gabyo de shinshi o tsukedai tomemasu. Bobby Bill, doko ? Donohen ? Honto no Makie-san ga yasumi nanode, watakushi ga shashin o mite benkyou shite yatteorimasu. D'accord. C'était quand la première fois que tu as fait le duet acteur? Quand j'avais 16 ans, avec mon caméscope, je faisais des courts-métrages. Parce que je regardais les Beatomans, France 5, et je voulais faire pareil. Tu viens faire un rôle de militaire aujourd'hui? C'est ça, exactement. Oh, ça aurait pas été très difficile, parce qu'en termes de mentalité, c'est vrai que j'ai les idées courtes. Ok, c'est cool. Je
Ensuite, on est allé tourner au musée Sciences Aco, qui nous ont gentiment accueillis. C'est un endroit où ils ont conservé le premier accélérateur de particules français, qui date des années 60, donc c'est une machine incroyable, qui est restée dans son époque. C'est quand même des endroits qui sont assez incroyables et finalement assez peu connus. C'est vraiment un lieu qui... on se sent habité. Quand on est dedans, ça fait vraiment vrai. Ça nous aide tout de suite à nous ancrer dans un lieu, dans une époque, dans une atmosphère. Et ça rend les choses, je pense, beaucoup plus facile de se projeter dans le personnage. Ah ouais. C'est magnifique, ça. Putain, c'est tellement pratique, ces trucs-là, mais... C'est le premier qu'on y est arrivé. Peut-être, Audrey, tu peux refaire la félicitation, pour, comme ça, ça fera le meilleur accord. Donc, tu regardes vers Marguerite. Par exemple, du coup, c'est ce que ça veut dire, que je pivote ma chaise. Peu importe dans quel sens tu étais. Donc, pivote ta chaise dans l'autre sens. Voilà. Faut qu'on sente que t'aies l'idée, ah, mais c'est vrai, on m'avait demandé de prévenir. Et là, t'appelles. Oui, monsieur Capel, vous m'avez demandé de vous prévenir. Pour faire l'antenne, il fallait qu'elle soit démontable et remontable facilement. J'avais fait une espèce de tuto de moi à moi sur mon téléphone, parce que comme elle était en beaucoup de petits morceaux, bah, il fallait que je puisse la remonter et dans le bon ordre. Et mon téléphone a fait une mise à jour, genre 2 jours avant le tournage. Et j'ai pas pensé à regarder s'il avait pas éventuellement effacé des trucs, parce que normalement les téléphones ne font pas ça. Et ben, on s'est retrouvés le jour du tournage à devoir remonter l'antenne et il y avait plus d'images. Donc ça a mis du temps, j'ai réussi à la remonter, mais ça m'a effectivement mis un gros coup de stress. Ah oui, ça marche beaucoup mieux que ce que je pensais. Ouais, vous êtes bon, hein. Mais enfin, monsieur Capel. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. On a fait les plans du bureau de Capel. Encore une fois, un tournage, on a dû aller très très vite. En fait, on a tourné dans une escape room et on avait le budget que pour louer la salle, une demi-journée. Donc on a commencé vers 9h et à midi, midi et demi, 13h je crois, il fallait qu'on ait tout rendu pour que les joueurs puissent venir jouer. Le principe d'un escape game, c'est qu'il n'y a pas trop de bazar dans tous les sens, parce que comme les gens vont tout retourner pour trouver des indices, j'imagine que c'est pas pratique. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est redonner de la vie à tout ça, mettre de la cendre dans un cendrier, ce genre de choses. Et il a donc une photo dans son bureau qu'on a photoshopé où il est sur un lion et il est très fier. Et il y a des petits rappels de ça qui sont cachés dans la déco. Il y a par exemple son briquet, il est imitation crocodile. Et son cendrier aussi, c'est un truc un peu marbré. Les détails, on les voit pas forcément. Par contre, s'il n'y en a pas, ça va sauter aux yeux à l'image. Ah non, désolé. On a fait de la son, c'est sur le fond. Non, il y a pas de cache. À partir du moment où on est déguisé, quand on joue, je trouve, c'est là où je pourrais pas faire la même chose pas déguisé. Un des trucs un peu systématiques sur ce tournage, c'est que j'ai dû fumer. Je ne fume pas. J'ai vraiment essayé de faire des gestes de personnes normales qui fument une cigarette. En voyant les images, c'est pas du tout le cas. D'accord. Une des directions que j'ai utilisées, c'est une vidéo que Alex m'a donnée, où on voit un vieux mec de fin des années 70 dans un truc de l'INA, qui est en train de parler, je crois, de trucs monstrueux, genre de dire que les SDF, ils l'ont bien cherché, ou un truc comme ça, mais avec un accent très traînant, comme ça, où finalement, il dit des horreurs, mais calmement, un peu comme ça. Vous savez très bien, il n'est pas agréable d'avoir dans son voisinage un pampan de chat. C'est très pittoresque, peut-être. C'était un peu le fondement de Capel, c'est que il est mou, comme ça, et donc j'ai essayé de le faire mou, mais moi je suis pas une personne très très molle, donc au final il est pas si mou que ça, il est juste plus mou que moi. Vous êtes viré aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, vous allez vous en sortir, je vous fais confiance. Je crois qu'on a jamais pu faire de photos d'un flic en costume comme ça, avec un masque, Covid. Ouais, il y a eu le tournage la nuit au parc de Vincennes, qui était très sympa, et on a pelé de froid ce soir-là, c'était fin août, je crois. Ouais, où les nuits commencent à devenir un petit peu fraîches. Mais ce dont je me rappelle, c'est que tout le monde était très très concentré. Et Davy était très drôle en fait, je trouvais. Ouais, il m'a beaucoup fait rire ce jour-là. On a fait une petite séance d'entraînement, de training, un peu pour préparer les comédiens. Donc on a expliqué à Aymeric comment chuter correctement, comment encaisser un coup, etc. C'est vrai que je me suis entraîné à plusieurs reprises pour être capable de m'éclater le visage sur la 2 chevaux le jour du tournage. Et ce jour-là, en fait, on n'a pas eu de 2 chevaux, elle n'est pas venue. Davy est en train de se faire maquiller, costumer pour la scène. C'est au poil. Et là, il y a Tibor qui nous dit, j'ai un coup de fil du loueur de voiture. La 2 chevaux qu'on a louée, qu'on avait réservée, elle ne viendra pas. Parce qu'elle est en panne, elle est en panne sur l'autoroute, quoi. Elle n'arrivera jamais. Il m'a dit, il avait fait tourner ce week-end, tout allait bien. Ah,
qu'est-ce qu'on fait ? On va tourner ce qu'on peut. Et du coup, il a fallu qu'on change absolument toute la scénographie à ce moment-là. C'est très emmerdant, très emmerdant. Finalement, c'est quelques jours plus tard, alors en fin de semaine, je crois qu'on est revenu. On a tourné juste les plans avec la deux chevaux, avec Audrey, qui fait le tour un peu du pâté de maison en voiture, jusqu'au moment où elle se gare. Donc on a tourné en deux soirs différents. Tu vérifies s'il va bien. Et le jeu d'Haïti. À ce moment-là, pendant qu'il se rapproche, il y a Marguerite qui fonce sur toi en disant « Bon, finis les... » Bon, ça suffit les pitreries. Ça suffit les pitreries. Je suis censé être une ancienne championne de savate. Je lui ai expliqué comment donner un coup de poing à peu près correctement. On a un petit peu monté un enchaînement très rapide, très court, mais ça a permis, je pense, de donner un côté plus réaliste hein, à ces scènes d'action qui sont malgré tout très courtes, mais je pense assez efficaces. Après, je trouve encore une fois, c'est pareil, c'est la magie du montage et, tout, et je trouve que ça passe très bien. Et alors que ce que je faisais au tournage vraiment n'était pas non plus... Mais il y avait juste ce qu'il fallait, j'ai l'impression. En tout cas, ça marche trop bien, quoi. Sur cette scène, j'ai particulièrement apprécié le fait qu'en 2020, on ait vraiment du matériel vidéo de super bonne qualité. On peut tourner des scènes avec très peu de lumière et avoir un résultat vraiment convaincant. Là, pour faire la lumière sur cette scène, c'est juste une petite lampe à LED qu'on tient comme ça à bout de bras et ça simulait tout simplement les réverbères. Je vais faire réverbère ce soir. Et ça suffit amplement, l'image elle est superbe. Et ça c'est quelque chose, à l'époque quand on a commencé France 5, c'était inimaginable. Tourner dans ces conditions, on aurait une image horrible quoi. Et là, c'est complètement fou ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'idée ça va se faire quelque chose un petit peu comme ça, et elle rentre dans la lumière, tu vois ce que je veux dire ? Tu veux savoir où il est allé ? On avait également à tourner ce faux Sengoku-kai, cette espèce de Sengoku-kai français qui, dans notre idée, était un peu l'influence du jeune Aramis, c'est-à-dire qu'il regardait un feuilleton quand il était petit, qu'il a ensuite influencé quand il est devenu lui-même super-héros, vu qu'on retrouve des punchlines qu'il écoutait à la télé, il les dit plus tard dans France 5. Alors, Gargouille 15, toujours en slip ? Pour jouer les deux personnages, j'ai demandé à deux membres éminents de French Nerd. Action. Quel est ton nom, misérable bourgeois ? Au nom de la paix ! Plus ça va, plus il en rajoute, plus c'est bien. J'aurais dit, bon écoutez, je sais très bien que, voilà, vous êtes plus à un moment de votre carrière où vous avez le temps de faire ce genre de délire, mais j'aurais vraiment, vraiment, vraiment envie que ce soit vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Les deux m'ont dit, ouais, ok. Alors... Ils sont où ? Ils sont en face de moi ? Ils sont par là ? Oui, alors ils sont. Ils regardent un peu vers le bas parce qu'ils rampent comme du vermisseau. Non, on ne le fera pas pour toi. J'ai besoin du regard, Francis. Pourquoi j'ai rampé encore ? Si l'un des deux avait dit oui mais que l'autre n'était pas disponible, ça aurait eu moins de saveur. Il fallait que ce soit Slim et François, face à face, le méchant, le gentil. Là, du coup, ça marche. Je suis là pour te tuer ! Ah, c'est très très bien. Elle est belle celle-là. On en fait une de sécu et pour le plaisir. Donc notre idée sur cette série, c'est ce faux Sengoku-kai qu'on appelle entre nous le Sengoku-kai, c'est de faire l'équivalent de Sengoku-kai mais français. C'est très agréable. Jusqu'à ce que ça te rentre vraiment dans l'œil. Donc Sengoku-kai, vous le savez peut-être, c'est un remix entre Star Wars et un film de ninja. Donc on a des personnages très SF, mais ils font du kung-fu, ils lancent des shurikens, ils disparaissent avec des bombes de camouflage. Et ben nous on s'est dit, on va faire un mélange entre Star Wars et les mousquetaires. Donc du coup on a demandé à Gwegs, cosplayer émérite, de nous bricoler quelque chose, faire quelque chose d'assez sympathique, évidemment un peu kitsch, un peu déconne, pour nos héros et notre méchant, pour qu'ils aient l'air de Sengoku-kai français. Alors ça c'est ma vieille perruque, donc je pense que tu vas l'adorer. Ah donc je serai blond, très bien. Oui, oui. On a un peu l'esprit, ouais. Est-ce que c'est pas une coiffure de mousquetaire ? Ah ouais. Chantez ces louanges, misérable ver de terre. Sinon, vous goûterez au tranchant de cette lame. Toi, viens ici, tu seras le premier à servir d'exemple. Alors là, ce qui serait cool, je pense que je vais filmer un demi-visage. Et ce qui serait bien, c'est qu'à la fin, quand les pourceaux, on voit l'épée qui rentre dans le champ. Je vais mettre un petit son design très mécanique. Ouais, voilà, tu vois. Action. Quel est ton nom, misérable pourceau ? Je suis Stellaros, le messager de paix. Je suis là pour te tuer. Tête, jambe. Et là, je peux. Oh. Oh. Action.
Alors, Dargouquin, toujours en slip? What do you call this place? I ask you the name of the hotel. Just inspecting the kitchen. I ask you what the hotel was. Faire la secte qui vient à la fin à la rencontre de Capel et qui va malheureusement servir d'expérience diabolique aux Lexos. Donc derrière les masques, on retrouve beaucoup de membres de l'équipe. Il y a Pierre Mogart, des effets spéciaux. Il y a Black Beaujolais, donc Greg. J'ai fait la figuration dans cette scène. Et j'étais pas le seul. On avait Etienne Anne, Blur de Yellow. On avait Dido. On a aussi Anaïs, qui est l'illustratrice qui a travaillé sur le livre-disque. On avait Aurore, Seb. J'ai été catapulté grand pontif de la confrérie de la fraternité. Et bien sûr Jean-Marc, Warduk lui-même. Même la mort n'arrête pas Warduk, il me suffit de reconstituer mes molécules et hop, c'est parti. On avait Céline, la maquilleuse, on avait... Olivier Fallet qui faisait un des membres de la confrérie, qui faisait aussi la voix de Cancrelax, évidemment. C'est assez marrant de faire des choses, mais de pas être dans nos rôles habituels. Et en plus, on avait réussi à faire venir d'autres personnes, des gens, des amis, qui ont accepté de venir pour faire une assemblée suffisamment conséquente. C'était très sympa, on a été hyper bien accueillis par l'association qui gère le cyclotron, c'est ça, d'Orsay. Vous êtes intrigués, vous êtes en tout cas amusés, certains doivent avoir des doutes. La journée était encore une fois très bien organisée. Un peu longue, on a fini assez tard, un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, mais on a dû s'arrêter de toute façon à heure fixe puisque ça s'est produit le premier jour du couvre-feu et il fallait à tout prix que tout le monde soit rentré avant 21h chez lui. Plus ça avançait dans le tournage, plus on allait vite pour finir dans les temps et à la fin, comme il y avait du sang, du faux sang partout par terre, il a fallu tout nettoyer. Et on n'avait pas d'eau chaude. Et ça part pas facilement, mine de rien. On a nettoyé, on a mis nos affaires dans nos sacs à toute vitesse et on a couru jusqu'au RER. Et on a eu le dernier RER qui nous permettait de rentrer avant le couvre-feu, quoi. C'était l'aventure. Le climax, en tout cas du court-métrage, c'est un moment où il y a à la fois de la baston, il y a des scènes gore. Il y a une sacrée ambiance aussi, parce que c'est quand même un peu... c'est super glauque quand même la fin, et que ses yeux explosent et tout. Et donc c'était quand même une tension qui était nécessaire, je trouve, aux scènes. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez surprenant qui allait déstabiliser un peu le spectateur pour qu'il se mette un peu en mode « Bon, alors là, je sais vraiment pas ce qui va se passer parce que je pensais pas qu'on allait nous emmener par là. » On cherchait à créer un effet gore. On voulait pas tout faire en numérique parce que ça se voit. On voulait quand même qu'il y ait du vrai faux sang sur place, même si on peut se permettre après des petits rajouts numériques. Mais on voulait qu'il y ait une vraie base physique, tangible. Et donc, j'ai trouvé un tuto sur YouTube absolument génial. Alors, le bricolage pour fabriquer l'effet spécial, en fait, c'est de prendre des tout petits ballons de baudruche avec une seringue, de les remplir de faux sang. Sur cette baudruche, on va coller avec de la glue 3 une petite rondelle de métal typique des trucs de boulon qu'on achète dans les magasins de bricolage. Et à cette rondelle de métal est attaché un fil de nylon. Et cet effet spécial, en fait, ça fait que quand on tire le fil, ça donne vraiment une belle gerbe. Qu'il y a du mouvement, quoi. Et donc ça permet en toute sécurité de faire des jets de sang sortir des yeux des gens sans utiliser d'explosifs. Moi ça me faisait peur, enfin peur. Audrey, 8 ans. Moi ça me faisait peur. Hein. Non, ça me faisait peur. Oui, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait une ambiance un peu. Mais peut-être parce qu'avec Harry on était derrière, on jouait le truc de l'observer le machin, enfin la scène, enfin je sais plus, c'est peut-être moi ce que je me raconte dans mon imaginaire, mais ouais, il y avait une sacrée ambiance ce jour-là que j'ai vraiment bien aimé. C'est la première fois que je me fais éclater les yeux. Et genre de mort. Bon, un coup de pilon avec le coup que tu donnes. Oublie ton point, donne le coup de pilon. Voilà, c'est ça. J'aime bien dans les films, moi, quand ça se termine par une chanson. On était bien, on était pas si mal. J'aime bien quand
quand la chanson a un lien mystérieux avec le film, mais que ce soit pas forcément très clair. Cet effet-là, je l'ai trouvé dans une chanson du groupe Mustang. C'est complètement par hasard, hein. C'était une chanson qui était dans ma playlist. Tout d'un coup, je me suis dit, mais ah, elle marcherait vraiment trop bien pour un autre film. Je me dis, qui ne tente rien à rien, je fais un mail, je regarde un peu sur Internet. Bon, ils ont un site Internet, et il y a un truc contact, machin. Bon, bah, j'envoie un mail à contact, et je reçois une très gentille réponse en disant, ah ben, ce sera avec grand plaisir, mais il faut voir avec Sony, parce que c'est Sony, notre label. Donc là, s'engage une négociation avec Sony, qui malheureusement ne peut pas aboutir, parce qu'ils demandaient vraiment, des tarifs qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait se permettre. Et là, ils m'ont dit, bon, ben, c'est pas grave, ce qu'on peut faire, c'est composer une chanson spécialement pour l'occasion. On dit, alors ça, c'est génial, une vraie chanson originale pour le film. Là, je pense qu'il y aura un solo de guitare, tu peux voir. Là, j'ai sifflé. Bah écoute, je voulais un truc qui tourne parce que t'as des plans circulaires. Ouais. Voilà, je sais pas moi. Une bonne chanson des Beatles, il suffit de plaquer les accords au piano, de chanter la mélodie, et la chanson se tient. Donc pour moi, ça a à voir avec les vertèbres un peu de la chanson, quoi. Donc c'est ce genre de chanson qu'on essaie de faire, et on essaie d'avoir d'abord que la chanson tienne, quoi. Et ensuite on l'arrange. Mais tu vois, la chanson en l'occurrence. On était bien, on n'était pas si mal. On pleurait pour des filles, mais on ne pleurait pas sur des tombes et puis sur des ruines. Ah non, c'est Do là. Ça fait longtemps que j'avais eu envie d'écrire une chanson sur le fait que on se plaint beaucoup, mais surtout en France, mais quand c'est vraiment la tyrannie, la vraie, quoi. Enfin voilà, il y a des choses qu'on va regretter quand même. Après, c'est pas moi qui ai fait la mélodie, c'est une composition de Johan Gentil, le bassiste de Mustang. Voilà, qu'il avait depuis très longtemps et j'avais toujours eu envie de faire un texte dessus. Et voilà. Donc j'ai travaillé ensuite les arrangements pour avoir un truc un petit peu. Un peu Delpech, mais sous l'eau, quoi. Sur des tombes. Ce qui moi m'intéressait, c'était de continuer à raconter l'histoire pendant le générique de fin. C'est un procédé qui m'avait beaucoup impressionné. J'avais vu ça dans le film Homo Ideporoporo de Takahata Isao. Le film se termine, le générique commence, mais l'histoire n'est pas finie. Mais ça, le spectateur ne le sait pas. Le film continue à raconter ton histoire et finalement, la fin change de sens pendant le générique de fin. Et ça, c'est un procédé que je trouvais brillant et que je vois pas beaucoup finalement. Et je me suis dit, c'est vrai, le générique de fin, bon, bah, il sert à montrer les crédits, mais pourquoi pas raconter l'histoire pendant ce temps-là? On peut l'utiliser, ce temps-là. Et donc, du coup, c'est pour notre film, c'est le générique de fin qui révèle tout, en fait. Je te dis du ou de? Tu me donnes le diagramme du rayonnement? On vient de passer les 130 dBm. 130 dBm, c'est gigantesque! L'enregistrement des voix, c'est un truc un peu compliqué. Et c'est là où on se rend compte que c'est un vrai métier, surtout. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre travail qu'il faut en vouloir à André, enfin... Mais bon sang, il faut regarder la réalité en face des trous, là! Il a un sérieux problème, le Capel, hein! Oh, que c'est assommant! Mais faut pas vous monter le bourrichon comme ça, mon petit! Bon, écoutez... J'ai bien connu votre mari. Le commandant La Verdure, c'était un sacré bonhomme. Pour des raisons techniques, on a vite décidé de tourner sans prise de son, pour deux raisons. Déjà, bah, on n'avait pas de preneur de son disponible, et aussi parce qu'on avait besoin de tourner beaucoup, très rapidement. Enregistrer les voix après coup, c'est plus facile pour le tournage. Clairement, ça permet d'aller plus vite, etc. Par contre, c'est plus compliqué pour les comédiens en studio de se remettre dans le mood du tournage. Bah, et ton cours d'aérobic? Oh, écoute, il redonne Angélique et le Sultan sur FR3. C'est pas seulement redire un texte, c'est aussi être capable de retrouver une intention de jeu. Vous allez devoir abandonner vos recherches sur l'antenne Procyon. Mais enfin, monsieur Capel. Monsieur le directeur. Parler à quelqu'un qui a 5 mètres, inconsciemment, on parle plus fort que quand on a un micro juste là. Taisez-vous, Marconi, si vous croyez que c'est facile. Et il faut essayer de se mettre dans un état d'esprit et dans des conditions où tu imagines qu'il y a quelqu'un loin pour que ton inconsciemment de voix qui porte, il revienne. Mais patron, vous êtes ma boule! Pour moi, c'était vraiment difficile. Si c'est le pause... On s'est pris la tête pendant peut-être une demi-journée, enregistrer tout ça et... Si c'est le poste de télé qui fait du boucan, je vais baisser tout de suite. Donc c'était difficile à la fois d'être synchro et de retrouver le ton
qu'il fallait pour la scène. On s'est parlé et on est venu à la conclusion qu'il fallait trouver quelqu'un pour faire la voix de Harry. D'ailleurs, là, je tiens à saluer le côté vraiment pro de Emmerich qui a dit « Ok, je laisse une partie du personnage à quelqu'un d'autre ». C'est pas forcément évident parce qu'il s'était beaucoup investi dans le film, mais il est aussi réalisateur et je pense qu'il a cette vision-là. Il sait que ce qui compte, c'est le résultat à la fin, plus que les enjeux personnels. Donc il a fallu qu'on trouve quelqu'un. Si c'est le poste de télé qui fait du boucan, je vais baisser tout de suite. J'ai fait appel à Bruno Meyer. Là, le défi, c'était de suivre vraiment quelqu'un qui est dans son rôle. Enfin, pourvu qu'on sache s'en servir. De le suivre vraiment, se fondre dans l'image avec lui. C'était ça un peu le gros défi. Le seul défaut, c'est que ça porte à 3 mètres seulement. Ce qui me reste de l'enregistrement, c'est ce sourire, en fait, qu'il a tout le temps. Ce sourire un peu accroché, ce sourire qui est un sourire de bon cœur, mais qui est aussi un sourire de gêne, qui est un sourire à plein de niveaux. Et donc, c'était garder dans la voix ce sourire accroché, je dirais. Dis, t'es au moins quoi, ceinture noire de karaté ? Non, non, championne universitaire de savate. Ah. Quand on prend un peu de recul dessus, quand on s'habitue, bah en fait je trouve que ça marche très très bien. Il est, de toute façon, lui est très très bon en plus là-dedans. Allez ! Alors comme d'habitude, c'est moi qui me suis occupé du montage. Pour moi, c'est vraiment un moment essentiel et très très agréable, très intéressant. J'ai presque l'impression de toucher le film à main nue. Je vois les scènes qui se créent devant mes yeux et je peux ajuster à l'image près. C'est vraiment passionnant. C'est tellement agréable et tellement kiffant de le faire que moi je laisserai ça à personne d'autre. Et donc là, la voiture est fausse aussi, à droite là, c'est une voiture en 3D. Ensuite, il y a l'étape d'étalonnage qui consiste à donner la couleur finale à l'image. Donc j'ai fait une première passe tout seul, j'ai traité le film en entier et ensuite j'ai montré ça à Sin, notre directeur photo qui lui a un œil très sûr. Elle est sous-ex Audrey, elle est mal éclairée. Donc, je sais pas qui c'est le chef-op, tu vois. Moi je rajouterais un fameux secondary, machin truc et je ferais comme si je l'éclairais. En vrai. Et tous les endroits où j'étais pas très convaincu, il a tout de suite compris ce qui allait pas. Il m'a dit, bah là, essaye un peu plus de contraste, là, faut mettre un peu de magenta, là, il faudrait éclairer ce personnage. Et donc, grâce à lui, on a pu lever le niveau de qualité de l'image, mais vraiment d'un level up net. Comme en plus, il y a moins de fumée, je pense, tu vois, ça rend en plus. Ouais. Ça éclaircit le tout. Oui, ça décontraste. Ouais. Donc, tu peux peut-être tricher en fait sur le plan large, qui est plus sombre, en remontant un tout petit peu les mids. Oui. Donc France 5, on le présente comme étant une production d'une organisation qui s'appellerait Bookie X4, qui est une référence à Narcisse X4, encore un vieux truc de geek. On a toujours eu un logo au début de France 5 et on avait envie d'avoir une nouvelle version pour ce film. Et ce qui est cool, c'est que quand on bosse à Bobby Pills, autour de nous, bah, on a plein de gens qui sont super talentueux, qui dessinent super bien, ce sont de véritables tueurs galactiques, c'est incroyable le niveau qu'ils ont. Et voilà, juste à côté de moi, il y a un certain Mehdi Lefat qui m'a dit « Pas de problème, moi je vais te refaire le logo ». C'est d'ailleurs le réalisateur de Blood Dragon, Captain Lazarok, la série télé. Et voilà, en quelques coups de stylet, il m'a fait un truc mais magnifique. Il a même fait plusieurs propositions, j'avais le choix. Enfin, bref, c'était grand luxe. Il y a une base de design et je t'ai fait des propositions après. Ouh, c'est la chemise qui fait tout. Hein. Ça aurait une espèce de lunette, casquette. Ouais. Ou alors tu peux avoir Sherlock Holmes. Ah là là, c'est trop bien. J'ai testé plein de trucs. Pour le logo du film lui-même, ben là j'ai fait appel à Samuel Buisseret. C'est le réalisateur de Saturday Man. Et lui, c'est un graphiste hors pair. Dès qu'il s'agit de faire des logos un peu vintage, mais il est ultra fort. Donc je lui ai expliqué un peu le projet dans les grandes lignes. Et premier essai qu'il nous a fait, première proposition, c'était parfait. Message d'outre-espace. Alors, c'est pas un film à effets spéciaux, mais il y a eu quand même beaucoup de travail numérique, notamment pour recréer l'époque. Donc là, on a travaillé aussi avec des membres historiques de l'équipe de France 5, hein, Pierre Maugard, François Mauge et Alesk, qui ont participé au film. Et leur travail, c'était principalement de modifier les plans pour les rendre compatibles avec l'époque. Donc ça peut être effacer une voiture, un panneau, remplacer un élément, rajouter des voitures en 3D même. Et il y a eu aussi évidemment quelques effets spéciaux un peu plus spectaculaires. Donc tout ce qui est effet éclair, météo, le rajout de la tour Eiffel en 3D. Et évidemment à la fin, il y a tout ce qui est un peu extraterrestre, portail dimensionnel, effets spéciaux, gore, sang, etc. qu'il fallait faire également.
On s'est régalé avec toute l'équipe à blinder le film de petits détails qui sont pas forcément tous perceptibles, peut-être que vous en avez vu certains, mais voilà, qui participent à l'ambiance générale. Alors par exemple, il y a les 5 couleurs des France 5 qui sont intégrées dans le logo. On voit aussi le jogger qui fait le petit pas de danse du fameux Aldo Laclasse. On a changé le nom de la station Grand Boulevard car elle s'appelait rue Montmartre jusqu'en 98. Sur les écrans du labo, on peut voir le code source de Space War, premier shoot 'em up de l'histoire. Tous les disques sur l'étagère ont été pressés avant 81, on n'a utilisé aucune réédition. On a aussi créé un faux 45 tours de la chanson de la boîte de nuit pour l'intégrer sur l'étagère de Harry. Le combat dans la télé a eu lieu au même endroit que le final de France 5 4. On peut voir que l'éclair sur la tour Eiffel est une reconstitution 4K du tout premier plan de France 5 1. On découvre évidemment d'où vient la chemise du professeur. On apprend ce que veut dire cancrelax en langage Nexos. Et le plus touchant, c'est qu'on a eu un membre de l'équipe de Sciences Aco qui a vraiment travaillé sur l'accélérateur de particules depuis les années 60, qui a accepté de faire de la figuration. Donc on lui a mis une blouse blanche et hop, on le voit dans le film. Le film fonctionne, il fallait qu'on ait une bande-son qui soit vraiment, vraiment très expressive. Le cahier des charges, là, c'est 1981. Et 1981, dans la tête de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est des synthés et des boîtes à rythme. Et c'est pas que ça, quoi. En fait, pour moi, le tout début 80, c'est surtout, on est encore avec des bonnes batteries, on commence à ajouter des synthés, parce que, voilà, ça apporte un petit côté... soit pour la science-fiction, soit pour donner des nappes, ou des choses qu'on pourrait pas faire avec un orchestre. À la fin des années 70, on était encore sur des batteries où on atténuait les caisses claires, c'est quelque chose de très mat en fait, c'est pas, on en fout plein la vue, c'est des rythmes assez simples, avec des breaks qui sont vraiment typiques, qu'on retrouve dans des schémas qu'on retrouve dans plein de productions, quoi. Et ça, en fait, tout ce mélangeage, j'ai voulu le mettre en place dans la bande originale, quoi. Comme dans les années 80, quand on écoute un disque de Vladimir Kosma ou d'Ennio Morricone, on a vraiment des mélodies fortes qu'on peut fredonner, qu'on peut chanter. C'est ça que je cherchais à obtenir. Aujourd'hui, c'est considéré comme ringard, personne ne le fait. Mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime. Et donc, j'ai essayé de retrouver ça avec notamment Yannick, qui s'est occupé de composer la majorité des musiques du film. C'est ça que moi, je trouve assez formidable en fait, de cette époque-là, c'est qu'il y a... Il y a une naïveté en fait, et une légèreté qu'on ne retrouve pas aujourd'hui justement dans la musique. J'ai l'impression qu'on pouvait se permettre plus de choses, une sorte de, comme si on pouvait se complètement se défaire du ridicule. Ça sonne un peu machin, un peu poète-poète, un peu cucu, c'est pas grave quoi, ça fonctionne avec la scène quoi. Donc il y a une certaine naïveté, et en même temps une créativité, quelque chose d'original qui ressort de ça et que je trouve vraiment super. Et ça, c'était marrant à faire. Il y a par exemple la première scène, la scène du labo. Moi, pour des productions personnelles, jamais je ferai un truc comme ça, quoi. C'est tout simplement impossible, quoi. C'est la petite trompette, là, qui est en staccato, comme ça, c'est... Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'on sort des sentiers battus. J'ai demandé aussi aux autres compositeurs qui ont travaillé un jour ou l'autre sur France 5 de faire un morceau. Donc, il y a Aymeric Le Vardon, qui, là, nous a fait un thème très Carpenter. Il y a aussi El Mobo, il a accepté très gentiment, il nous a composé un morceau. Le tout dernier morceau du film, avant le générique. J'ai aussi demandé à Alexis s'il ne voulait pas participer, mais c'était plus compliqué puisqu'il habite à l'étranger maintenant. Mais il a quand même réussi à composer un petit morceau, c'est celui qu'on entend à la sortie de l'école. Et pour ce morceau, il a repris en fait la structure et le thème du concerto de Marcello. Et c'est un morceau qui a vraiment du sens pour nous puisque c'est ce morceau qu'on entend sur les vieux indicatifs d'Antenne 2 avec les hommes volants. À l'intérieur du film, il y a une scène de boîte de nuit et on voulait une chanson. Et je parlais de ça à Aurore, et complètement par hasard, ce jour-là, il y avait Greg qui était là, et lui, il m'a dit, mais moi, j'adore ça, si vous voulez, je peux vous écrire les paroles. Transmission d'un appel téléphonique. Okay. J'attendais qu'il m'envoie un texte, et il m'a pas envoyé un texte, il m'a envoyé une chanson finale, parce que de son côté, il a demandé à un de ses amis, qui s'appelle Olivier Boudard, de composer la musique de la chanson, et ils ont demandé à leur copine Snejana de chanter dessus, et donc ils m'ont envoyé la chanson clé en main, en fait. Et il se trouve que ce Olivier était ultra motivé, il avait, je sais pas, un vrai kiff avec le projet, et il m'a proposé de faire d'autres morceaux. Donc c'est Clément Morin qui s'est occupé du mixage. Alors pour ça, je suis allé jusqu'en Normandie pour le rejoindre dans son petit home studio. Et sur tout le trajet en voiture, je me suis régalé, parce que j'avais mis toute la BO du film dans la voiture.
Et donc je roulais au son des musiques de Messages d'outre-espace en me dirigeant vers l'étape finale, le mixage. Donc je pense que si le bonheur existe, bah, peut-être que ça ressemble à ça. Dans le labo de Marguerite, j'ai essayé quand même de mettre en avant le fait qu'on soit un peu dans un vieux système analogique, etc., en mettant des, ce qu'on appelle des hums, donc c'est des vibrations électriques. Puis il y a tous les bruitages aussi mécaniques que tu avais enregistrés, là, qui fonctionnent très bien sur place. Et après, pour l'antenne en soi, du coup, j'ai utilisé des sons qui ont été enregistrés avec un micro qui permet de capter les champs électromagnétiques. Du coup, ces sons un peu qui, pour nous, justement, sonnent communication, antenne, etc. C'était tout à fait adapté là, parce qu'on avait une antenne qui permet, en gros, de passer un coup de fil à l'autre côté de la galaxie, donc ça marchait très bien. Pour toute la partie un peu Lexos, on voit que c'est quand même une civilisation dont la technologie est très organique. Donc là, c'était plutôt des sons un peu crades. J'ai utilisé des sons que j'avais enregistrés, de la pâté pour chien, que j'avais mis dans un saladier avec les micros très près, et puis je l'avais malaxé comme ça pour donner des sons un peu dégueux. Et du coup, bah, ça, c'est utilisé sur les petites tentacules quand elles sortent du portail, là, du trou. Il a fait un travail vraiment très très minutieux, il a pris ça très au sérieux, il s'est dit voilà, je fais ça comme si c'était pour le cinéma, donc il a vraiment créé plein de petits bruitages d'ambiance. Quand on enregistre le son sur le tournage, on va pouvoir récupérer avec les dialogues, en fait, en même temps on va enregistrer plein de bruitages naturels de la vie. Ça peut être des bruits de vêtements, ça peut être les sons de pas, ça fait une base pour travailler. Par contre, si on prend pas le son au tournage, bah, du coup on n'a que des voix nettes, brutes, sans aucune acoustique ni rien, et du coup il faut rajouter tous les sons autour. Alors on cherche un petit bruitage pour le téléphone à l'image. Quand Julien pousse le téléphone sur le meuble. On n'y fait jamais attention, mais quand quelqu'un bouge devant nous avec qui on est en train de discuter, on entend des petits bruits de vêtements. Et du coup, ça c'est important aussi de réenregistrer, de recréer cette présence en refaisant les mouvements des comédiens avec un habit et un micro proche qu'on va ensuite superposer au dialogue. En fait, je sais que je vais avoir 4 ou 5 images de retard. Du coup, bah, je décale toutes 5 images et puis j'écoute. Et rajouter aussi, recréer les acoustiques des différents décors où les personnages évoluent. Oh non ! J'ai pas sauvegardé depuis ce matin, j'avais plus de bande ! Oh non ! J'ai pas sauvegardé depuis ce matin, j'avais plus de bande ! Oh non ! J'ai pas sauvegardé depuis ce matin, j'avais plus de bande ! On manque encore de stabilité, mais les résultats d'aujourd'hui sont absolument remarquables. Bravo à tous ! On pourrait peut-être passer sur une alimentation à découpage. Ça devrait nous prévenir. J'étais content de voir tous ces éléments s'assembler avec l'étalot, le son, les effets spéciaux. Enfin, j'étais vraiment, j'étais fier. Alors une fois que le film était terminé, on a organisé une petite projection qui était uniquement réservée à l'équipe du film dans une petite salle qui s'appelle le Studio des Ursulines. Donc c'est toujours un moment important parce que c'est là où l'équipe va découvrir le film, où on peut échanger entre nous ensuite, en parler. Ça boucle avec le France 5 qu'on a connu, un France 5 réjouissant, joyeux. Et là on est sur quelque chose de plus sombre. J'adore, j'ai adoré ce film. C'est vrai que ce qui devait être à l'origine un petit bonus a pris de l'ampleur. Le souci du détail pour les années 80, c'était super. Les gens jouent super bien. La post-prod est incroyable. Vraiment, quelle émotion. Et puis évidemment, voir le mini Aramis qui joue sur un écran géant, c'était génial. Les enfants acteurs sont chouettes. C'est toujours qu'il y a une bonne dynamique. En quelques scènes, on arrive à évoquer une vraie histoire. On s'attache au personnage. C'était bien, c'était drôle de jouer. C'était très bon, sinon la salade. Ah bah oui, forcément, il a mangé la salade. Une qualité d'image de malade, les musiques sont fantastiques. Et les voitures, elles sont trop bien. Ah ouais. Pour les gens qui connaissent bien France 5, il y a des liens dans tous les sens. C'est vraiment la perfection, voilà. Techniquement, c'est fou, scénaristiquement, c'est dingue. Les transitions au montage étaient trop bien, en fait. Surtout le montage est vraiment bien fait. Ouais. Et de très bonnes musiques, et une réa, vraiment, bravo Alex. La réa était folle. T'es tellement pris dedans que tu te fais saisir par la fin. Mais c'est très cool d'avoir fait ça, d'avoir fait un truc aussi genre, bah voilà, c'est fini. Tu t'imagines plein de trucs, tu tires plein de plans, puis en fait, J'étais au courant de ce qui allait se passer, et pourtant j'étais quand même vachement touché.
tu t'y attaches au héros un peu, tu te dis bah, qu'est-ce qu'ils vont t'as envie de voir leurs aventures. Et en fait non, c'était ça leurs aventures. Elle est finie, bah voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai eu des frissons pendant tout le début de la séance, et puis quand on arrivait à la dernière scène, je me suis dit, attends, on en est déjà là. Ah bah oui, c'est un moyen métrage. Oh, fais chier. C'est ta scène préférée, c'était oh non. Et Greg en barman. C'est la scène du steak. La scène du steak, elle fait mal. Hein. Est-ce que c'est pas un message pro-vegan? J'attends un message pro-vegan. Ah, prochaine chanson. J'attends un message pro-vegan dans mon assiette. Ah, oui. Les années 80, ça te parle du coup? J'étais pas né, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Comme ça, brûle pour point, à l'arraché au débeauté, bah, c'est extraordinaire. Ça fait toujours bizarre de voir un nouvel épisode de France 5, entre guillemets. Audrey est extraordinaire. Le nom sur le cartable, c'est super. Les identités révélées au dernier moment, ça accroche le truc. Ce qui est merveilleux, c'est de voir tous les éléments que on ne sait pas que c'est un puzzle. Mais tout se met en place. Ça pourrait faire penser à une fin de petite histoire de EC Comics, d'histoire d'horreur où vous tournez la page et d'un seul coup, la réalité brutale se fait et vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Ce qui m'a beaucoup plu pendant tout le film, c'est d'essayer de repérer à quel moment on pouvait deviner avec certitude que c'était bien un préquel de France 5. Je suis très heureux de voir le résultat et surtout que le résultat a l'air de matcher les ambitions actuelles de Alex Pilote. Mais la vraie première projection, celle qui était publique, où on a pu présenter le film à la communauté qui suit France 5 depuis longtemps, c'était au Max Linder à l'occasion du festival PIF. Donc on a eu vraiment la chance et l'honneur d'être sélectionné pour être projeté hors compétition. Donc merci encore au festival, à Cyril en particulier qui a vraiment soutenu le film, qui nous a même proposé de coupler le film avec un making-of. Alors le making-of qui a été fait spécialement pour aujourd'hui, c'est Cyril qui m'a dit mais je veux un making-of, j'adore les making-of, il est absolument fan de making-of, donc voilà on a fait un gros making-of de 45 minutes qui explique vraiment tous les dessous du film et qui raconte aussi une histoire voilà, à sa manière. Donc grâce à lui on a pu projeter notre film et le présenter donc à une salle qui n'était pas au courant qu'il s'agissait d'une préquelle de France 5 et c'est ça qu'on attendait depuis tout ce travail, depuis des mois, même des années, c'était pour ce moment-là où on pourrait montrer ce film à des gens qui regardent Message du Trespass et qui réalisent en plein milieu que « Ah, mais en fait, on est en train de regarder la préquelle de France 5, là. » Voilà, c'est tout ça pour ça. J'allais d'ailleurs vous demander officiellement de lancer ce que j'appellerais le projet rouge. Tu t'ennuies pas pendant un truc, c'est que ça se passe plutôt pas mal. C'était le cas. Non, j'ai trouvé ça chouette, en fait, parce que justement, rien ne m'a... Je me suis pas dit « Ah, ça s'est raté. » En fait, je me suis pas dit ça. J'ai découvert les effets spéciaux, j'ai découvert plein de trucs. Ce monde des années 80 reconstitué comme ça et de voir l'histoire se dérouler. Et moi, je m'étais pas rendu compte à quel point cette histoire, enfin, elle était touchante parce qu'on s'attachait à ce point-là au personnage. Et il y a vraiment un truc qui se passe, je trouve, entre Marguerite et sa petite fille. Ça ne ressemble pas à l'idée que je m'en faisais. Quand on écrivait le scénario, j'avais pas ça en tête. C'est nettement mieux que ce que j'imaginais. Pour moi, ce que représente ce film, c'est le bonheur que j'ai eu de travailler à la fois avec les équipes de France 5 et de No Life, réunies sur ce projet-là. Des années après, on ressent quand même la flamme, l'esprit, le ton, quelque part, particulier de France 5, sous une autre forme, évidemment, mais on le ressent quand même dans ce film. Je trouve ça super d'avoir fait une préquelle qui n'est pas un Sentai, parce que ça permet aussi d'explorer d'autres choses. Du coup, retrouver l'univers de France 5 sur un moyen métrage qui est plus classique, c'est vraiment, on trouvait ça super cool. France 5, il y a eu une évolution technique sur tous les épisodes. Et là, cette préquelle, en termes de, je trouve en termes techniques, en termes de moyens modernes, elle est bien parce qu'elle c'est l'aboutissement technique en fait de tout ce qui a été fait sur France 5 depuis le début. Il y a des petites idées de caméra qui pivotent, des endroits, des petites idées visuelles qui sont vachement stimulantes et qui me plaisent beaucoup. Pour moi, ça c'est une des bonnes réussites du film là-dessus. Et puis sur la fin, on va dire que tout ce qui n'était pas forcément très bien expliqué dans France 5 se fait mieux expliquer. Et qu'on comprend beaucoup de choses. Ça enrichit vraiment la proposition de départ. Ça montre que France 5, c'est pas juste des mecs en costume coloré qui font des arts martiaux dans la forêt. C'est un univers de science-fiction, en fait, qui a une profondeur, qui a un lore. Il y a des choses qui se sont passées avant, qui ont mené au combat que livrent les France 5 dans le présent. Mais si on le regarde sous un angle différent, eh bien, mine de rien, l'invasion Lexos, c'est des extraterrestres très, très malfaisants qui peuvent être terrifiants si on les regarde sous un certain angle. Et c'est ce que fait ce film, donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette, vraiment fascinant. C'est un film sur lequel j'ai travaillé, mais je l'ai vraiment vu comme un film que je découvrais en étant prise par l'émotion en fait, et l'histoire.
Thank you.